Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Est-ce que je connais bien les séries et tout ça? Et aujourd'hui, on va faire le quiz d'Harry Potter. Voilà. Donc, j'ai voulu essayer un autre style de vidéo, donc bah, j'espère que ça va vous plaire. Et est-ce que je connais bien Harry Potter? Ce que nous allons voir aujourd'hui. Allez, c'est parti! Alors, voilà. Juste. Comment s'appelle l'école de sorcellerie? On va refaire ses classes. Pour l'heure, hein, évidemment. On va bien voir. Yes. Qui a recueilli Harry Potter lorsqu'il a perdu ses parents à l'âge d'un an? Lady Lorchley. Attention. Que peut-on voir lorsque on se regarde dans le miroir de recette? Sans le genre le plus fort. Je pense. Est-ce qu'il faut voir ce que moi bah, j'ai regardé que le premier et le deux, donc voilà. J'ai regardé juste le premier. Et le deux, je crois que c'était la chambre du secret avec le basilic à la fin. Et j'ai tout. Donc voilà. Juste pour le prendre là. C'est le genre le plus fort donc. Voilà. Quels sont les moldus? Les personnes sont plus fortes. Yes. Alors, Voldemort est désigné par les sujets en surnom sauf un lequel. Celui dont on ne doit jamais prononcer son nom. Yes. Parce que là, je m'en sors bien. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'un sorcier de Chambéry? Voilà. Un croisement de sorciers de Voldemort, évidemment. Voyons voir. Yes. Que peut faire la pierre philosophale? Reproduire un élixir de l'éternel, non? On verra bien de toute façon. Ensuite, Severus Rogue a été directeur de la maison Carpenter, fantôme de la maison Carpenter. Rogue. Rogue. Professeur des poissons. Allons voir. Alors, combien Ron Weasley, le meilleur ami d'Harry Potter, va-t-il devoir recevoir? 3. Il y a George. Il y a qui d'autre?
Il y a la fille. Et l'autre, je m'en rappelle plus, comment il s'appelle? C'est les jumeaux, mais je m'en rappelle plus. Trois donc. Attention. Ah non, chiche. Ok. Ce sont toutes les ruelles que tu as la mort, sauf une, laquelle. Je t'avoue que là, je sais pas. Sors la cape. Je sais pas. Voyons voir. Non, c'est pas ça. Non, je retourne hors de temps, ok. Alors, les célèbres dragées surprennent de perles crochues, ont parfois des goûts bizarres, lequel de ces parfums n'existe pas. Crochet bruxelles, hein. Comment je déteste les choux bruxelles. Oh, je sais pas. Ok. Alors, il existe trois sortilèges impardonnables, le sortilège de la mort, le sortilège de nourrit et le sortilège de. Ah, je sais pas. Comment je vous ai dit, je regardais que les deux premiers opus. On va faire une triche. J'avoue que là j'ai tracé, mais bon, on l'a perdu. Voyons voir. Voyons voir, voyons voir. Ah ouais, faisons le 6. Lol. Quelle est la devise de Poudlard? Cyclus, Altus, Fortus. Je crois. Même pas. Ok. Qui apprend à Harry qu'il est un sorcier? Agald. Normalement. Si j'ai bien su. Ouais, voilà. Alors, comment les élèves sont-ils répartis dans les 4 maisons de Poudlard? Ils mettent le chapeau magique sur leur tête. Attention. C'est facile. Ou Harry Potter, Chile. Alors, sur l'escalier. Yes. Ça, je savais. Harry et Ron sont devenus amis avec Hermione après l'avoir. Après qu'ils tirent la gare. Et sauver entre les Poudlard. Je pense. Voyons voir. Yes, oui. C'est un premier. Alors, à quelle maison de Poudlard appartient Draco Malfoy? Un serpentard. Hein. Ah. C'est pas photo. Ouais. Acquisite, quel bol doit se faire l'attrapeur? Le juif d'or. Yes. Alors, dernière question. À Noël, qu'est-ce que Dumbledore offre anonymement à Harry en cadeau?
La cape d'invisibilité. Yes. Évidemment. Bon bah voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo qui est un peu spéciale du jeu vidéo que je propose d'habitude. Donc bah, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et abonnez-vous pour plus de vidéos. Sur ce, bah, je vous dis à la prochaine. Ciao.